Le nouvel accord de libre-échange nord-américain maintient la stabilité et la croissance pour l'économie canadienne. L'accord de libre-échange nord-américain, encore appelé ALENA, est entré en vigueur le 1er janvier 1994. La zone de libre-échange ainsi créée entre le Canada, les États-Unis et le Mexique représente aujourd'hui la plus vaste du monde. L'ALENA a pour but principal de faciliter les échanges transfrontaliers des biens et des services entre les trois pays signataires. Les trois pays membres de l'ALENA ont ainsi supprimé entre eux les droits de douane. Contrairement à l'Union européenne, l'ALENA n'a pas pour vocation de créer des institutions supranationales. Daniel, let's talk to you. What inspired you to start minting these coins before the ideas have really even come to the table? Well, what I do is I'm a sculptor, and I like to make interesting coins, tokens, and medals. And earlier this year, I'd been reading about the Amero, and I'd read some of the same conspiracy theories. And it's not all a conspiracy. I mean, there has been some talk in think tanks and whatnot proposing this idea. But earlier this year, I just got the idea, well, I'm in the business of making interesting coins and so on, and I thought, oh, why not? There's no law that says I can't make Amero-denominated coins. What has the response been to your Amero? I mean, how are people reacting to this? Well, they've been popular. I've sold quite a few to collectors. It's probably been my best item. I mean, as an artist, you always hope to sell your work in some form or another, and this has been, of all the works I've done, this has been the one that is sold the best. But I can tell you that I've had a few people contact me and, you know, ask my opinion of the Amero and whatnot, and I've had a lot of people are somewhat neutral on it. They don't really know what it would mean if there ever was a North American Union. Olympischen Winterspiele 1936. Car ce que l'enseignement moderne répugne à admettre, c'est qu'avant même de sombrer dans le culte de la personnalité, l'Allemagne était déjà fermement ancrée dans celui du corps. Et Hitler commencera par rendre le sport obligatoire à l'université. Cette véritable obsession pour l'éducation allemande va lui-même au Führer d'être comparé au titan Prométhée, comme ce fut notamment le cas avec cette illustration de presse sur laquelle il apparaît en train de façonner l'essence du peuple pour aboutir à la perfection humaine, le Volksmensch, idéal qui sera grandement célébré lors des Jeux Olympiques de 1936. Ainsi, l'idée mise en avant par Hitler était qu'avec plusieurs décennies d'éducation sportive, d'hygiène corporelle et de pureté raciale, l'allemand moyen puisse se rapprocher de l'idéal grec. Vous n'étiez pas sans savoir que le sport allemand avait aussi vocation à préparer une autre spécialité gréco-romaine, la guerre. Pierre de Coubertin ignore les critiques et annonce dans le journal du 24 août 1936 les Jeux défigurés, l'idée olympique sacrifiée à la propagande. C'est entièrement faux. La grandiose réussite des Jeux de Berlin a magnifiquement servi l'idéal olympique. Coubertin, il a voulu faire de l'olympisme et donc du sport une nouvelle religion. En ciselant son corps par l'exercice comme le fait un sculpteur d'une statue, l'athlète moderne exalte sa patrie, sa race, son drapeau, écrit-il.
Certains pensent qu'il était réactionnaire et favorable à Hitler, d'autant qu'il avait des relations assez ambiguës avec des politiques proches de ses idées. Hitler a versé un chèque en son nom, voilà, les nazis l'ont couvert d'honneur. Et puis la troisième critique qui lui est adressée, c'est d'être un colonialiste. Effectivement, il appartient au lobby colonial, il ne pense pas que les indigènes puissent participer aux Jeux Olympiques. C'est un personnage qui a deux versants, hein. Une légende noire et puis une légende dorée. Il décide de populariser le sport, mais cette fois-ci à l'échelle internationale. Il se base pour ce dessin sur le logo de la Fédération française d'athlétisme. Simplement trois anneaux rouge, blanc, bleu. Et puis il va y rajouter deux anneaux pour les cinq continents. Le modèle d'éducation physique à l'époque, c'est la gymnastique républicaine, c'est pas le sport. Parce que la gymnastique, elle est populaire et elle est patriotique. Le sport est anglophile et cosmopolite. Ben je crois qu'en France, on est très axé sur le sport d'élite, mais un peu moins sur le sport, disons, pour tous. Et d'ailleurs, il faudrait profiter un peu de cette vague moderne, justement, d'aimer le sport, le bien-être, et justement, peut-être de réadapter.